Bonjour groupe, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à une toute nouvelle série d'aventures. Là, présentement, je me trouve dans l'État de New York parce que je suis en train de me rendre jusqu'en Nouvelle-Orléans en voiture. Je vais vous expliquer un peu plus loin dans le vlog pourquoi j'ai décidé de descendre en Nouvelle-Orléans en voiture. Je me rends à Nouvelle-Orléans pour une croisière d'une semaine sur le Norwegian Breakaway. Croisière qui va aller dans les Caraïbes de l'Ouest, c'est-à-dire Costa Maya, Mexique, Harvest Caye au Belize. Après ça, c'est Roatán au Honduras, puis Cozumel au Mexique. Je ne vloguerai pas le road trip pour descendre en Nouvelle-Orléans. Par contre, je vais vous faire un petit montage d'images que vous allez pouvoir voir dès maintenant. Pause du montage du road trip, juste pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de descendre en Nouvelle-Orléans en voiture. C'est bien simple. De un, les billets d'avion étaient super chers, c'était au-dessus de 800$ le billet d'avion. Puis quand j'ai fait mes calculs, ça revenait presque moins cher de descendre en voiture. Puis je pense que j'en avais un peu plus pour mon argent en descendant en road trip, parce que ça me permet de découvrir des nouveaux endroits par lesquels je suis jamais allé, puis que je suis jamais arrêté. Alors, ça, c'est une principale raison. L'autre raison, c'est que on est en janvier, on n'est pas à l'abri de tempêtes de neige. Comme là, présentement, il y en annonce une grosse qui va pas mal toucher toutes les États-Unis puis le Québec. Alors, je voulais pas prendre de chance de retarder, mettons, un vol, puis éventuellement de manquer ma croisière à cause d'une tempête de neige. Alors, c'est les deux principales raisons pourquoi je descends en voiture en Nouvelle-Orléans. Alors, c'est un pas pire petit road trip. La plus grosse journée est déjà faite. Je suis présentement à King of Prussia, qui est en banlieue de Philadelphie. Aujourd'hui, je devrais me rendre jusqu'à Bristol. Alors, on poursuit le montage. Enfin rendu à Nouvelle-Orléans après 4 jours de route. C'était long, mais ça s'est bien passé. Je ne vloguerai pas la visite de la Nouvelle-Orléans parce que je veux profiter de la ville, mais je vais vous faire un petit montage d'images que vous allez voir dans quelques instants. La croisière que je m'en vais faire, c'est une croisière de groupe, la première croisière de groupe que je fais ever. C'est une croisière qui s'appelle Vloggers Extravaganza, qui est organisée par les 4... Ben, quatre des plus grandes chaînes YouTube de voyage, puis surtout de croisière. Je parle de Sharon Hattie, CC Travel, Lido Loca et Joshokum. Le groupe, il y a à peu près 800 personnes dedans. Puis, parmi les 800 personnes, il y en a plein d'autres qui, comme moi, sont vlogueurs. Alors, depuis 2 ans, j'ai développé des relations avec eux autres, des relations virtuelles, où est-ce qu'on se parle, puis on échange.
Puis maintenant, ça me donne l'occasion de les rencontrer en personne. Alors, si je les rencontre puis qu'ils apparaissent dans le vlog, je vais mettre l'adresse de leur page YouTube dans la description également. Alors, la croisière est demain. Je vais vous retrouver à l'embarquement. Maintenant, petit montage sur la Nouvelle-Orléans. C'est maintenant Cruise Day. On est dimanche, le 29 janvier. C'est aujourd'hui que j'embarque sur le New Origin Breakaway pour une croisière d'une semaine dans les Caraïbes de l'Ouest, la croisière des vlogueurs. Ça a vraiment été le fun hier soir. J'ai pu rencontrer quelques vlogueurs que j'avais précédemment rencontrés virtuellement sur YouTube. Alors hier, je les ai rencontrés en personne. Je vais en revoir sur le bateau, puis voir des nouveaux vlogueurs aussi que j'ai pas encore vus, puis que j'ai pas encore rencontré en personne sur le bateau. Alors, l'embarquement se fait dans une couple d'heures. Le check-in, moi, il était entre 11h et 11h30. Après ça, ça va être embarqué dans le bateau. Là, il me reste encore une couple de choses à préparer. Dans le fond, c'est de séparer les bagages du road trip et les bagages de la croisière. Après ça, je vais aller porter la voiture à un garage privé. Je laisse pas mon auto au port parce que dernièrement, il y a eu plusieurs vols dans les voitures qui étaient stationnées là, même si c'est supposément sécuritaire. Alors, je laisse ça dans une autre place où c'est encore plus sécuritaire avec des hautes clôtures, des barbelés puis tout ça. Alors, je vais laisser ça. Puis après ça, ça va être direction le port avec une navette qui est fournie par l'endroit où je stationne la voiture. Alors, je vais vous retrouver soit à l'embarquement ou une fois rendu sur le bateau. Alors, à dans pas long. Maintenant sur le bateau, on a une couple d'heures à attendre avant d'avoir la cabine. Après ça, encore plus d'heures à attendre avant le départ. Là, c'est le temps de manger, j'ai faim. Dans la cabine, voici une petite visite. En entrant, on a la porte. On a ensuite la salle de bain et la douche. Après ça, on a un grand miroir. Le garde-robe. Un lit de grandeur king. Puis, ça va par là. On a la télévision avec le bureau. Il y a un petit réfrigérateur ici, le téléphone, un divan, et on a le balcon, et évidemment, Norwegian
sont pas larges, les balcons. C'est une cabine bien simple. C'est la cabine 111-64. Une cabine avec balcon. Je suis pas dans une cabine club suite comme sur le Getaway. Enfin, j'ai accès à la cabine. Ça a pris beaucoup de temps. Il est 2 heures. J'ai eu la cabine à peu près à 2h30. Si je compare un peu avec Royal habituellement à 13h, 13h30 de l'après-midi, les cabines sont disponibles, mais il n'était pas prêt encore. Maintenant, je me rends à un meet and greet organisé par le groupe de la croisière. Voici ce que ça donne. A few moments later. Faut maintenant aller faire le Monster Drill. C'est le retour au vieux Monster Drill où tout le monde se réunit dans des endroits qui font les démonstrations. C'est Norwegian qui a décidé de ramener ça. Il n'y a pas longtemps, faut le faire. La vieille façon était le fun. La nouvelle façon, qui est maintenant la vieille façon, était le fun, mais bon. Faut faire avec. Ouais, ben le retour au vieux Monster Drill, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. C'est long, parce qu'il faut t'attendre après tout le monde. Je me questionne pourquoi Norwegian est revenu à ça. Au port ici, en Nouvelle-Orléans, il y avait le Carnival Glory qui était avec nous. Et là, le Carnival Glory, ça fait déjà un bon moment qu'il a quitté. J'ignore vers quelle heure nous autres on va quitter. Il est présentement 16h30. Alors c'est ça, j'attends encore ma grosse valise pour pouvoir compléter mon installation dans ma cabine. Alors je vais vous laisser sur un petit time-lapse de notre départ de la Nouvelle-Orléans. Puis je vais vous retrouver à l'heure du souper. Ce soir, ça va certainement être le buffet. J'ai pas de main dining room de réservé ni de restaurant spécialité de réservé. Le menu du buffet ce soir, il offre de la côte de bœuf, un repas que j'adore. Alors, ça va être le buffet ce soir. 12 seconds later. Ok, petit moment. J'ai poursu ma grosse valise. J'ai donc pas mon trépied pour pouvoir faire le time-lapse du départ. Alors, je vais juste vous montrer une couple d'images de notre départ de la Nouvelle-Orléans que je vais filmer à la main. Donc, la croisière est officiellement débutée maintenant. Là, on est sur le fleuve Mississippi. On va naviguer dessus pendant encore 7-8 heures avant d'arriver dans le golfe du Mexique. Plusieurs personnes m'ont dit qu'en arrivant dans le golfe du Mexique, on peut voir les feux qu'il y a sur les différentes plateformes de forage dans le golfe. On parle de 7-8 heures encore. Là, il est 17 heures. Ça nous met à peu près à minuit. Si je suis pas couché, je vais essayer de vous prendre des images puis mettre ça dans le vlog. Mais pour le moment, c'est l'heure d'aller souper. Et voilà pour le souper. La côte de bœuf du Garden Café était vraiment bonne. Ce qui me surprend un peu, c'est quand même du buffet. Mais la sœur était vraiment bonne. La purée de pommes de terre qu'elle avait avec ça aussi, c'était vraiment bon. Bref, un bon super Garden Café. Maintenant, la soirée jeune, on va se promener sur le bateau. Petit fait à noter, si vous avez le forfait boisson, comme j'ai actuellement, c'est que peu importe si vous commandez une bière, un verre de vin ou un drink, tant que le bateau est encore dans le Mississippi, il y a de la taxe à payer. C'est pas grand chose, mais c'est bon à savoir afin de ne pas avoir de surprise sur votre compte.
Match de football sur grand écran ou sur passage 2-0, belle façon de terminer la soirée. C'est ce qui va conclure ce vlog-là. Demain, journée en mer, j'ai rien de prévu. Alors, si vous voulez voir qu'est-ce qui va se passer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquer la cloche de notification pour savoir quand les vidéos viennent en ligne et surtout, liker les vidéos. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Alors, sur ça, je vous dis ciao. Bye.